avait un autre look aussi, hein. Il était pas comme ça. Il avait pas les cheveux comme ça, il avait la barbe plus J'avais les cheveux super rasée. longs. Limite, il avait une photo là où t'as une chemise, son petit blouson, machin. Là, c'est plus du tout ça, Vas-y, non? vas-y, balance. Bah vas-y, dis-le, va jusqu'au bout des choses tant qu'on y est. Hein. Ben, je dis juste ça. La dernière fois, j'ai mis ma chemise et t'as dit, oh, t'es bien avec ta chemise et tout. J'ai juste dit que tu n'étais pas pareil quand on s'est rencontrés. Ça y est. Mais non, mais c'est parce qu'elle dit que t'avais pas de barbe quand on s'est rencontrés. Enfin, qu'elle était plus courte. Un moustache de doigt sous le nez. Non, on va éviter ça aussi. Hein. Oh, sa fille a coupé ses cheveux, ils arrivaient aux cuisses. Wouah! Oh C'est que sacré purée. quantité de cheveux là quand même. Ouais, il n'y a même pas besoin de répondre à la question, t'as souri quand t'as vu la question. Je Non, m'habille comme une merde, c'est je ça? disais. Tu veux, t'es d'accord avec le vieux là qui a dit. Je disais moustache de doigt sous le nez. Oui, C'est ça oui, qui m'a oui, fait oui, rire. oui. Je m'habille mal, c'est ça? Non. Qu'est-ce qui va pas dans mon outfit d'aujourd'hui? Regarde, non, tu dis pas les Mais. taches Ah parce bah. que je me suis taché tout à l'heure en faisant à manger ce soir. Donc dis pas les taches. Mais qu'est-ce qui ne va pas dans mon outfit aujourd'hui? J'ai un jean noir et mon t-shirt. Sans, en enlevant les taches, qu'est-ce qui ne va pas? Non, c'est aujourd'hui, c'est bien. Hormis les baskets, parce qu'elle me fait chier avec mes baskets, parce que j'ai les baskets de marche en ce moment. Alors, il met les baskets qu'il a achetées pour aller marcher et tout, mais c'est les trucs de sport. Donc, tu sais, c'est Les les jaunes sneakers, fluo là. Oui, mais on s'en derrière. fout, de toute façon, c'est bientôt l'hiver. Mais qu'est-ce qui ne va pas dans mon outfit, là? Non, c'est bien. Alors, pourquoi tu dis que je suis pas comme avant? La semaine Il y dernière, a j'ai mis des la chemise. choix. Qu'est-ce qui allait pas avec la chemise? Oui, mais entre-temps. Entre-temps, c'est... Entre aujourd'hui où ça va et la semaine dernière où ça allait, la Alors, quand ça va chemise. pas, qu'est-ce qui va pas? Bah, tes t-shirts. Qu'est-ce qu'ils ont, mes Ils t-shirts? sont moches. Mais d'où ils sont moches? Qu'est-ce qu'ils ont qui sont Bah, moches? ils sont moches, la couleur est moche. Il Quel... Alors, y a lequel? des. Bah, le violet est moche, le bleu est moche. Tes trucs avec écrit des trucs dessus, j'aime pas ça. Et tes chaussures sont Mais j'ai un boxer montgolfière! Ça, Ok, c'est beau. d'accord. Bon, bah, c'est sympa. Ça fait plaisir. Donc là, si je vais chercher mes t-shirts. Tout est moche, c'est ça? Genre celui-là, Pourquoi t'as tu vas me dire demandé qu'il est moche. ça? Celui-là, tu vas me dire qu'il est moche. Bon, il y en a que je mets pas, c'est vrai. Mais j'ai beau lui acheter, il aimait pas. Ouais, il Allez, est arrête. vexé. Là, c'est des pulls, donc ça n'a rien à voir. Mais tu sais que j'en ai plus beaucoup, hein. Tu les as tous balancés. Juste qu'ils sont dans le tiroir à t-shirt, mais il sait pas qu'il y a plusieurs tiroirs. Mais c'est que des pulls, là. Ah non, il y a un t-shirt. Oui, bon, après, j'avoue peut-être que je mets souvent les mêmes. Genre celui-là. Ça va. Ok? Ça, non. Non. C'est quoi qui va pas Non. ça? C'est la couleur et ce qui est écrit dessus. Mais pourquoi tu me l'as pas dit quand je l'ai acheté? Parce que tu m'écoutes pas. Et celui-là? Bon, il y a de la peinture Bah, dessus, c'est les mais. taches de peinture qui Oui, mais vont non, mais pas. les taches de peinture, je sais bien. Mais dans le style, juste parce que c'est marqué à carrière, c'est pas beau. Non, dans le style, ça va. Mais il n'y a pas un problème. Il n'y a pas un Comment? problème sur son t-shirt, les gars. Pourquoi je l'aime pas, ce t-shirt, d'après vous? Et celui-là, ça va pas. Celui-là, ça va pas. Si, si, c'est ce que j'ai dit, ça va. Donc, Et les autres? Vas-y, le violet les d'en autres? bas, le violet qui est à Vas-y, les laver. autres? Le violet qui est à Les laver. autres? Attends! Cherche les autres que moi j'ai achetés. Le violet qui est à laver, Il est t'aimes pas non moche, plus? non. Et le Space Fox Bordeaux? Je sais plus, Celui que t'as voulu confondre. refourguer à ton père? Ah bah non, du coup. Mais pourquoi? Bah si j'ai voulu le donner à mon père, c'est qu'il était moche. J'y crois pas. Et celui-là? Ah si, c'est une tache à peinture. Celui-là? De Stupéflip? Non. Bien pensant tous des cons, Bah non? il est bien parce Je qu'il t'ai est acheté le rigolo. même! Oui! Mais il est bien parce que c'est rigolo. Mais Je t'en ai acheté un avec l'endométriose, genre Oui. Warrior et tout, tu mets jamais. Mais parce que je trouve que. Mais faut me le dire avant que je dépense 30 balles dans un putain de t-shirt. Mais non, mais je les aime bien pour quand on est à la maison Oui, quand je fais le ménage. ou qu'on va genre emmener chercher les gosses à l'école. Donc celui-là, ça va pas non plus. Mais il n'y en a pas 50 hein, que je mets pas. Il y a ça. C'est un gris. Y a ça. C'est un gris. Ouais, et tu l'as mis quand celui-là? Je voudrais bien Mais avec savoir. mon gros ventre, c'est compliqué.
À part le jour où je l'ai acheté, donc ça, ça va, voilà. Okay. Ensuite. Il y a un blanc, là, un polo blanc. Voilà, très bien. On est d'accord, non? Franchement. Mais après, le pire, c'est qu'il va pas ronger. Très bien. Le pull, les pulls, là, divers, Space Fox et tout, ça va, ça. Ah bah ah oui, nickel. C'est toi qui le mets. Bah oui, mais tu le mets quand, toi? Non, jamais. C'est toi qui le mets. Voilà. Parce que tu me piques mes pulls aussi. C'est pour ça que j'ai rien à mettre. Celui-là, bon, il est un peu usé, maintenant. Bah oui qu'il est bien. Non, ça fait Jacques qui t'unique avec les trucs réfléchissants, là. Très bien. Ouais, mais c'est moins confortable. C'est ça que tu comprends pas. Moi, je trouve le côté pratique. Et là, c'est mon pantalon de moto, là. Donc, vous voyez, tous les polos qui montrent, là, qui sont très bien, c'est les choses que moi, j'achète en me disant, bah, vu que je lui achète, il va mettre. Ben non, en fait, j'achète parce que j'aime et que c'est beau et tout ça, mais il met pas. Il a pas tout sorti. Hein. Si. Non. Quasiment. Tu en as d'autres. Quasiment. Arrête. Je les aime bien quand on est à la maison. Exactement, ça veut tout dire. Voilà, un polo, c'est pour les événements spéciaux. La journée, pour affronter une journée normale, il faut être à l'aise. Toi aussi, il y a des trucs que j'aime pas que tu portes, hein. Bon, j'ai pas d'exemple là tout de suite, mais ça arrive. Enfin... Oui, évidemment, il a tout plié et rangé. Il a fait vite, hein. Je ferai mon tri demain, de toute façon. Je vais tout trier mes affaires. Et puis, tu pourrais peut-être t'acheter un jean. J'en ai un. Et je l'ai mis au sale. Le bleu, là. Et j'ai le gris, j'ai le beige. Le beige, tu l'aimes pas non plus? Alors mais c'est tu, toi le qui... mets, tu l'aimais plus. À part ton jean de moto, tu ne mets plus de jean. Tu mets ton jean de moto et ton short plein de peinture. Et mon jean bleu, il est au sale actuellement. Et le jean beige, il est accroché à la salle de bain. Et bah, pourquoi tu le mets pas? Bah, parce qu'en ce moment, je mettais le bleu. Et puis là, aujourd'hui, j'ai fait de la moto, donc j'ai mis mon jean de moto. Quoi? C'est quoi, madame? Tu fais la maline. Mmh. Lundi, on va chez CCV tous les deux, ok? Mmh. Ok? Mmh. Je vais faire le tri, là, je vais enlever ce que... On va se mettre d'accord. C'est vraiment ce que t'aimes pas du tout, ok, je les enlève. Oui, mais alors, si on veut être équitable, je suis d'accord. On fait ça avec toi, mais on le fait aussi avec moi, comme ça t'enlèves ce que toi, tu n'aimes pas non plus chez moi. Mais je sais pas ce que j'aime pas chez toi. Puis t'as vu la quantité de fringues que t'as? Et on en a pour 3 jours, là, on tout enlevé. Hein. On t'a fait un dressing exprès. Tellement t'as de fringues. Eh ben, ils sont rangés, mes fringues. Oui, bah alors pourquoi tu veux les déranger et tout trier? Bah parce que tu dis que... Non, il n'y a pas des trucs... Pas. Non, ça va. Ça va. Voilà. Non, mais il est trop beau quand il met son petit polo, là, bleu marine et tout. Moi, j'aime trop. Franchement. Fais comme les gosses, prépare-lui ses affaires. J'aimerais bien. Oui, mais il faut que tu comprennes qu'il y a des fringues qui sont moins confortables que d'autres. Mais pour toi, rien n'est confortable. Bah... Mais c'est normal qu'ils sont confortables, après, puisque jamais. Tu les mets tous le les jour, jours. Quand le matin, je me lève et je m'habille, moi, c'est le premier t-shirt qui vient. C'est pour ça qu'au bout d'un moment, c'était amusé à foutre tous les t-shirts en dessous et elle m'a mis tous les t-shirts que j'aime pas au-dessus. Enfin, que j'ai du mal. Après, pour ma défense, à 120 kilos, il y a franchement des t-shirts, ça allait pas du tout. Le ventre, ça le faisait vraiment ressortir. Là, tu vois, c'est sombre, ça va. Mais il y a des t-shirts où ils collent à la peau. Parce que oui, tu vois, mais il a, maintenant, il, ça il, va. Il baille un peu. Oui, mais il y a encore 15 kilos à perdre hein, dans ce cas-là. Hein. Mais il y en a certains, ça va pas, quoi. Non, mais c'est ça, c'est que moi, je lui avais réorganisé ses tiroirs. Et du coup, j'avais remis les polos par au-dessus, tu vois. Je me suis dit, parce que lui, quand il s'habille, il ouvre le tiroir, il prend. Il s'en fout, tu vois, de ce qu'il a dans les mains. Donc, je me suis dit, je vais faire comme ça, tu vois. Comme ça, le premier truc qu'il prend, c'est un truc bien. Eh ben non, du coup, il prend que le tiroir avec les trucs qui sont pas bien. C'est vrai qu'en ce moment, je tourne avec 3 t-shirts. Bah oui. Le violet, mais celui-là. Le truc,
Le violet, celui-ci, et le Space Fox, le bordeaux. Et le truc, c'est que comme je fais mes machines tous les jours, c'est vrai qu'en général, les vêtements, ils sont lavés pratiquement tout de suite. Donc du coup, genre, il y a une journée où il va pas le mettre, mais il va le remettre le lendemain, tu vois. Et c'est bon. Mon short plein de peinture. Bah oui. Mais c'est mon short chill de la maison. Toi bien, t'as bien des fringues chill aussi à la baraque. Oui, de la maison, mais tu le mets pour sortir ailleurs aussi, je suis désolée. Oui, parce qu'on doit se dépêcher, on y va, hop. Non, mais je dis pas qu'il faut pas être à l'aise dans ses vêtements, mais le truc, c'est que forcément, il est à l'aise quand tu mets un t-shirt 360 jours sur 365. Je vais mettre l'autre. Forcément que t'es à l'aise. Arrête d'exagérer. Je vais te montrer, tiens. Je vais mettre ton polo de merde, là. Il va faire exprès de prendre celui qui va puter. Quoi ? J'ai dit, tu vas faire exprès de prendre d'en prendre un qui ne va plus pour dire, ah ouais, mais tu vois, il va plus. Mais regarde comme t'es beau! Oui, alors regarde le col. Comme il est beau! Attends, chérie, j'ai perdu 12 kilos, ok? J'ai perdu. Ah, déjà, ça va pas assez bas pour moi. Je préférais que ça soit plus bas pour le ventre. Mais j'ai perdu 12 kilos. Mais si j'avais pas perdu, imagine le ventre plus gros, comment ça fait? Ça fait comme ça. Le truc, il y a de l'air en dessous. C'est genre t'as une autoroute en dessous pour faire passer l'air. Parce qu'avec le gros ventre, ça baille, t'es comme ça, tu sais, constamment. Là oui, là mais ça va à peu près. T'es très bien là. Oui, mais ouais, c'est pas. Un autre pour oui, voir, mais regarde, s'il te plaît. Regarde avec le gros ventre, on voit la ceinture. Voilà. Mais tu vois. Tu te tiens comme ça, s'il te plaît, quand tu marches dans la rue, tu marches pas comme ça. Lève ton pantalon aussi. Oui, bon là, j'ai perdu du poids, du coup le pantalon, regarde, je peux mettre mon poids dedans. Bah oui. Quand je l'ai acheté, il était serré. Hein. Bah oui, mais si tu le mets, tu le remontes. Là, qu'on voit tes fesses, et que ça, tu descends, et que tu mets comme comment ça... Comment tu les appelles, mes fesses? Un nuage de lait. Ils ont pas entendu, répète. Les petits nuages de lait. Remonte le froc, voilà, exactement. De quoi? Il y a quelqu'un qui a dit « remonte le froc ». Ouais, bon là, ça va, mais... Il y a 3 mois, ça allait pas. Mais il est bien. Nicole, oui, mais regarde le ventre, on le voit bien. Regarde. T'as vu là ça... Eh, hey, à vous. On oui, voit la bouée. On voit plus là, c'est vrai. Parce que du coup, il fait comme ça. Voilà. Mais après, s'il y en a que t'es pas à l'aise dedans, oui, c'est différent. Mais les trucs où tu te sens bien dedans. Oui, mais il y en a, ça va pas. Oui, bah, il y en a, ça va pas. Si t'es pas à l'aise, t'es pas à l'aise. Je vais pas te mettre des trucs que t'es pas à l'aise. Ça va être rigolo dans la chambre après. Quoi? Il dit ça va être rigolo dans la chambre après. C'est un peu le bordel. Bah, c'est le bordel surtout. Les reines du shopping. Oui, voilà, le t-shirt, je suis d'accord. S'il aime pas parce qu'il est pas à l'aise, parce que ça le colle, moi aussi, il y a des vêtements, quand ça colle trop, t'es pas à l'aise. Moi, par exemple, ce pull... J'étais pas trop à l'aise en live parce que dès que je lève les bras, en fait, on voit. Donc ça, je veux bien. Mais genre, le polo, il est très bien en polo. Bon, après, j'ai un problème familial. Ça, ma mère pourra le confirmer. Les chemises, mon père, on a le même problème pour les chemises. J'arrive pas à la mettre. Bah, elle est un peu serrée. Oui. Alors, ma mère peut le confirmer. Notre problème à mon père et moi... Oui, les épaules. C'est les épaules. Ça passe pas. En fait, les chemises, il y en a certaines, elles ont beau aller bien. Au niveau des épaules et tout, là, ça passe pas. Mais t'es trop beau. Il est trop beau. Elle est peut-être un peu petite. Oui. Encore. Mais il est trop beau en chemise. Non, boiserie, ça va. J'en ai marre de voir écrit boiserie partout. Tu sais qu'ils sentent le renfermé tellement je les ai pas mis. Tu mets... Ah, celui-là, j'avoue, je comprends pas pourquoi j'ai pas mis. Celui-là, j'aime trop quand il met celui-là. Regarde comme il est beau. Ça marque un peu trop les seins. Mais non. Mais non, c'est trop bien, gars. Il met ça avec son beau pantalon, là, des belles chaussures. Enfin, des belles chaussures, des baskets, tu vois. Bah, mes chaussures montantes, elles sont bien. Celles que j'ai ressorties pour l'hiver. Non.
Les chaussures montantes que j'ai sorties pour l'hiver, t'aimes pas? C'est toi qui me les as fait acheter. Tu les aimes pas? Si. Non, dis-moi, tu les aimes pas? Mais j'aime pas parce que tu mets ton pantalon dedans. Oui, mais ça, c'est qu'un détail, les chaussures. Pour les chaussures, si tu veux, je mets le pantalon dessus, je m'en fous. Mais les chaussures, ça va? Faut juste... Non, franchement... Faut revoir, je sais plus. Tu veux que j'aille les mettre? Oh, et t'as vu le bordel? Je ouais. vois dans la caméra, là. Oh. Je vais chercher les chaussures, tu vas me dire. Parce que, putain, au prix, je les ai payées, celles-là, en plus. Oh, je t'en prie. Je t'en prie, ça va? La taille de quoi, Nini? Du polo ou de la chemise? La chemise, oui, je pense qu'elle est, elle est trop petite. Je sais pas si vous verrez Adrien ranger. Hein. Je suis pas sûre. Ouais, mais je sais pas, ça allait pas en fait. Les. Non, mais après, c'est pas une scène. Hein, parce qu'on rigole. Bon, lui, il est vexé. Mais. non. Après, il se vexe dès qu'on lui dit un truc, mais attention, les chaussures. Regarde, ça va pas ces baskets, les chaussures montantes? Ah si, ça. Ça va? Je croyais que c'était pas celle-là que tu disais. Bah si, c'est les chaussures que je mets. J'ai mis l'autre jour. Bon, après, il y a juste un problème de lacet, c'est qu'il a pété. Du coup, j'ai fait un nœud et pour m'attacher mes lacets, je fais des tours comme ça. Il faut juste les nettoyer. Non, je croyais que tu parlais des Adidas. Mais non. Tu sais, d'hiver, là. Non, c'est celle-là que je parle. Ah, bah oui, elles sont bien. Regarde, elles sont bien. Elles sont juste sales. Moi, j'ai juste brûlé là avec la moto. Bah non, c'est bien, ça, avec le pantalon au-dessus. Tu vois? Ouais, oui, si, c'est bien. Bah, j'ai juste le lacet qui est pété. Donc, tu vois, pour attacher mes chaussures... pour attacher mes chaussures, je suis obligé de faire comme ça. J'ai fait un nœud, tu vois. Donc, je suis obligé de tourner, 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 tourner. Et là, je serre un peu, et c'est bon, elles sont attachées. Non, c'est bien. Alors? Non, c'est bien. C'est bien. Ok? Ok. Putain, au moins un truc qui va chez moi. Mais ça va? Ouais, je vais changer la serre. Parce que c'est un peu chiant. De quoi? Faut que je change les lacets, du coup. Mais c'est les lacets qui sont cassés? Ouais, ouais, ils ont coupé en deux. Du coup, j'ai fait un nœud. On achète même à Action, je suis sûre qu'on trouve des lacets. Enfin, bref. Et notre style vestimentaire, ça te va? Bah oui! Ah, Miguel Antoine. Comme ils ont peur maintenant, ils te demandent! Tu m'étonnes, t'es vachement intimidante. Hein. Mais qu'est-ce que t'as, Margarita, avec sa coupe? Non, moi, sa coupe, maintenant que ça a plus poussé, ça me va. Ouais, parce qu'au bout d'un moment, elle m'a dit de la couper, hein. Mais je préfère quand il est plus rasé sur le côté. Mais oui, après, il va pas y aller toutes les semaines chez le barbier, tu vois. Ouais. Mais du coup, je pense que ça veut dire que ça ne te plaît pas. Et du coup, étant donné que c'est mon mari, bah, ça me rassure qu'il ne te plaise pas. Tu vois, il y a des paires de lacets sur Amazon, elle a raison. Bah oui. Oh, des arcs-en-ciel. Je rigole.